Et encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est toujours Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabis virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacie, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, candidats, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Notre série « Pot de flanage » continue et cette semaine, on va encore s'amuser. Mais avant ça, Top Pot et Bon Stock ont échangé avec beaucoup de monde cette semaine. Alors, dans le désordre, Ruth Fisher, Michel Dion, Xavier Magrino, Jérôme brassard Dupéré, Dili Nakeran, Fabrice Giguère, fabricant d'arbres que j'ai qualifié de « marchand d'arbres » La semaine passée, Samuel Maheu, Exo7, Phil Catlin de Tahiti, qui fait bouger beaucoup de choses là-bas, Stéphane Pacoma, Christina Parsons et plein d'autres à qui je parle toutes les semaines, comme Dragan, oui, Dragan, le cruncher de chiffres dans l'industrie du cannabis. Alors, on commence avec quoi cette semaine? Pourquoi pas avec Cara Loving, La dame a une très belle structure osseuse. C'est un mannequin qui semble être célèbre parce qu'elle est célèbre. Elle vient de réaliser un documentaire qui s'appelle Planète Sexe. Elle y discute de sa bisexualité et d'une tentative de suicide reliée à une homophobie intériorisée. Wow! Le cannabis est mentionné dans le documentaire? Oui, car madame a mesuré les cannabinoïdes dans son corps juste avant de faire l'amour et juste après. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez googler son nom, c'est D-E-L-E-V-I-N-G-N-E. -E -N -N -E. Et la grève à la SQDC? Non, on n'en parlera pas. Par contre, je peux vous dire que ça bouge ailleurs dans le rock, dans le rest of Canada. Un syndicat représentant les Bud tender, les cannabiciers de la Colombie-Britannique, a ajouté deux magasins à sa liste de magasins convertis au syndicalisme au cours des dernières semaines. Le BC Budtender Tender Union célébrait la semaine passée donc l'inclusion de deux établissements Seed and Stone. Les cannabiciers auraient obtenu une augmentation de 15 plus plein d'autres garanties. Le propriétaire fondateur de Seed and Stone semble heureux de la situation et accorder les mêmes avantages négociés aux employés de ses magasins pas encore syndiqués, un peu comme la SQDC a fait, je crois. Mais le propriétaire avoue ne pas comprendre pourquoi on vise sa chaîne qui est si petite comparée à celle des géants de l'industrie. Ce que je comprends de cette information, c'est que les bud tenders », les cannabissiers qui peuvent donner des conseils et qui peuvent vraiment exercer leurs fonctions, ne sont pas plus heureux de leur paye que les conseillers de la SQDC. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du top pot, je commence toujours par un petit café. Une seconde. EMJ, ouais. Mon habituel, s'il te plaît. Merci. Alors maintenant, en attendant le café, on va flâner un peu du côté des arnaques reliées au commerce du cannabis. Ça pourrait ressembler à un hommage à la créativité des voleurs. Je vous donne un premier exemple, pas relié au cannabis, mais spectaculaire. Il y a un an, en Chine, un groupe de voleurs a construit un faux magasin Apple. Alors, pourquoi construire un vrai faux magasin? Eh bien, pour vendre des vrais faux téléphones Apple, le magasin est resté ouvert seulement quelques jours, un long week-end, avant d'être abandonné complètement. C'est fort. Alors maintenant, deux arnaques planétaires dans le domaine du cannabis. Est-ce que vous avez entendu parler de l'Expo Amsterdam Cannabis Expo, qui devait accueillir 10 000 entreprises du 24 au 26 novembre 2022? L'arnaque semble avoir commencé dès 2020 avec la création d'un site Web qui proposait des opportunités de commandite et des visiteurs provenant d'une centaine de pays. Heureusement, le média Business Can a commencé à vérifier qui étaient les commanditaires. Si vous ne connaissez pas Business Can, c'est une entreprise qui propose des nouvelles, des articles, des commentaires et des analyses sur les personnes et les entreprises qui façonnent. Les secteurs du chanvre, du cannabis médicinal et du bien-être au CBD en Europe. Alors très rapidement, Businesscan a découvert que les gros commanditaires étaient tous des entreprises inventées de A à Z. D'autres participants potentiels ont réalisé que le plan d'occupation de l'espace d'exposition avait aucun sens par rapport à ce que l'on doit s'attendre de ce type d'événement. Beaucoup d'entreprises qui se sont fait en firouapé, hein, en bon québécois, ne disent rien car c'est mauvais pour leur réputation. Évidemment, le compte bancaire de l'organisateur a été vidé depuis que les doutes sont devenus publics. Le site de l'organisation a disparu la semaine passée. Pendant qu'on parle de bandits et d'escroqueries, c'est le temps de revenir à une autre histoire euh, incroyable. Je parle évidemment de l'affaire Juicy Fields. Un bref résumé si vous revenez d'une autre planète, mais juste avant une seconde. Merci, MJ. Oh, C'est bon. Petite gorgée d'eau. Et on est prêt. Je parlais de Juicy Fields, qui se présentait comme une plateforme d'investissement en ligne. Cette plateforme était censée permettre d'investir dans la production de cannabis médical et devait rapporter rien de moins que 100% de l'investissement en 12 mois. Derrière le projet Juicy Fields, on retrouvait une compagnie néerlandaise nommée Juicy Holding BV, mais le site de la compagnie mentionnait une autre compagnie enregistrée en Suisse, la Juicy Fields AG. Je vous passe les détails sur les multiples enregistrements d'autres compagnies qui tissent une, un voile de confusion sur les responsabilités des uns et des autres. Dans les faits, il semble que cette organisation était un système de Ponzi. Je vous propose euh, texto la définition de Wikipédia. Un système de Ponzi, chaîne de Ponzi, fraude de Ponzi ou pyramide de Ponzi, et Ponzi s'écrit P-O-N-Z-I, donc c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour quand tout s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Elle tient son nom de Charles Ponzi, qui est devenu célèbre pour avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920. Fin de la définition Wikipédia. L'affaire Jussie Fields est très, très, très intéressante car les poursuites engagées pourraient mettre en cause les réseaux sociaux qui seraient accusés de ne pas avoir fait disparaître le contenu d'une arnaque planétaire. Certains influenceurs seraient aussi visés. Alors, ce qu'on sait, c'est que plus de 500 000 personnes auraient investi dans Juicy Fields. On parle aussi de la Suède qui aurait adopté une nouvelle loi pour responsabiliser les banques qui n'agissent pas avec diligence pour stopper les arnaques quand elles en ont connaissance. Un avocat suédois, Lars Olofsson, O-L-O-F-S-S-O-N, -S va déposer un recours collectif pour 800 personnes provenant de 50 pays différents. L'action en justice va s'attaquer à des banques, des avocats et des médias comme Facebook, Google, CNN et même YouTube. L'avocat a une liste de presque 200 facilitateurs qui auraient participé à la fraude qui, aux dernières estimations, atteindrait 2,5 milliards de dollars. Dans le contexte actuel où la justice vient de condamner Elizabeth Holmes, pour avoir menti et triché sur les résultats de recherche de son entreprise Terranos, qui voulait révolutionner le monde de la prise de sang, et entre autres avec l'affaire de l'effondrement de la bourse des crypto-monnaies FTX, les criminels en col blanc, comme les acteurs du scandale Juicy Fields, eh bien, ils peuvent s'attendre à se prendre peut-être plus qu'une petite tape sur les doigts. Je me permets de vous signaler trois grosses initiatives intéressantes qui roulent pour l'instant: BUD Blocks, ça s'écrit B U D B L O C K Z, Raven Coin, R A V E N C O I N et Chainlink, C H A I N L I N K. Je ne les compare pas au scandale précédent, absolument pas. C'est l'inverse en fait. Je dis que ce sont des initiatives à suivre. et Je vous donne un exemple: BUD Block. Est un projet de crypto-monnaie décentralisée appliquée au cannabis. Alors, dans le contexte où les banques n'aiment pas le cannabis, ce système pourrait permettre à tous les acteurs de l'industrie de se payer entre eux sans problème et sans les frais auxquels les banques sont coutumières. Pour l'instant, au Canada, dans le domaine des arnaques, rien de l'envergure des scandales précédents, mais quand même quelques dossiers dont on devrait bientôt parler. Le premier est la contribution des producteurs autorisés au marché noir. Oui, évidemment. Oui, il semblerait que des détenteurs de licences de Santé Canada revendent leurs stocks dans les marchés illicites. Cela serait courant dans toutes les provinces. Il y a des histoires au Québec dont j'ai entendu parler depuis quelques mois. Le deuxième mini-scandale en devenir, pas plus concerne l'utilisation dans tout le Canada de timbres de taxes d'assises inappropriées. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Si vous avez des infos à partager, par contre, n'hésitez pas, Luc Prévost à hotmail.com. Dans un autre registre maintenant, hein, on flâne. La semaine passée, j'ai parlé de la présence des terpènes dans les canneberges. Et oui, c'est la période de l'année qui impose son agenda. Mais il n'y a pas que les attaquas qui contiennent des terpènes. Vous avez déjà pensé au gui, vous savez, les petites boules rouges sous lesquelles on doit, sous lesquelles on est obligé de s'embrasser. Eh bien, il existe plus de 1500 sortes de gui. Et le gui est considéré comme un parasite qui s'alimente en squattant d'autres plantes. On le retrouve, entre autres, souvent dans les pins. Alors, cette présence modifie les réponses chimiques des pins squattés, faut le faire, comme la teneur en monoterpènes. Qui augmente avec la présence du gui. Comme le cannabis, le gui produit du pinène. C'est un terpène euh, courant, disons. Je ne sais pas par contre s'il produit de l'alpha-pinène ou du bêta-pinène. Je n'ai pas fait la recherche, mais je pourrais le trouver. Si vous la faites, cette recherche, vous pouvez m'écrire. Je ne ferai pas le tour des propriétés de ce terpène non plus. Cela serait inutile car vous savez probablement déjà tout. Mais je confirme qu'il y a des études qui prouvent que le GUI, GUI, le Viscum album L, eh bien il a des propriétés qui permettent de lutter contre le cancer. Vous avez remarqué que j'ai dit Viscum, V I S C U M album ou album à L B U M L avec un point. Est-ce que ça vous rappelle Cannabis sativa L Eh bien vous avez raison, c'est le même gars qui a catalogué les deux. Oui le fabuleux Carl von Linné, Linné, L-I-N-N-E, avec un accent aigu, qui mettait son L de Linné un peu partout. Voici ce que dit Wikipédia de lui. Linné est un naturaliste suédois qui a posé les bases du système moderne de la nomenclature binominale, considérant que la connaissance scientifique nécessite de nommer les choses, il a répertorié, nommé et classé systématiquement L'essentiel des espèces vivantes connues à son époque en s'appuyant sur ses observations ainsi que sur celles de son réseau de correspondants. La hiérarchie des classifications qu'il met en avant s'impose au 19e siècle comme la nomenclature standard. Fin de la définition. C'est un sujet captivant dont on va reparler dans le cannabis, c'est sûr. Je vous donne un exemple. Pour réaliser ses travaux, l'inné, qui est né en 1701, je crois, l'inné était commandité par la famille royale de Suède. Et comme par hasard, sa hiérarchie, celle que l'on utilise, vous et moi, tous les jours, sa hiérarchie des classifications va ainsi. Dans le monde vivant, il y a l'empire, le règne avec ses sous-règnes, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Si on fait attention, un temps soit peu, un tout petit peu, on réalise que von Linné a construit sa structure, toujours utilisée aujourd'hui, en décrivant la suprématie de la famille royale qui le sponsorisait ou le commanditait en français. Empire comme dans empereur, règne comme dans royauté, etc. etc. Hein? Pas bête pour deux sous, von Linné sera anobli le 20 avril 1757 par le roi de Suède, Adolphe Frédéric. Dans sa vision du monde, Von Liné décrit l'humain comme un descendant du singe. Il est en avance sur tout le monde. Mais la maison royale et l'Église lui disent que c'est impossible, car c'est Dieu qui a tout créé. Von Liné ne s'obstinera pas et va modifier ses écrits pour ne pas déplaire à Dieu, mais surtout au roi de l'époque. Ah, oui. ah oui, ah oui, ah oui, maintenant. <laughs> On doit changer de continent pour aller flâner aux États-Unis. J'allais passer tout droit avec cette histoire-là, mais elle est tellement croustillante et intéressante et elle remet en cause notre innocence ici au Canada. Une fois, c'est un Canadien qui oublie une bouteille de CBD dans sa voiture et qui se voit interdire l'accès aux États-Unis, pas pour une journée, pas pour un mois, pas pour deux ans, l'accès interdit aux États-Unis pour la vie. Le gars qui s'appelle Jonathan Hooveling, va probablement devoir fermer son entreprise à cause de la condamnation à vie d'interdiction de séjour aux États-Unis. Il fait affaire couramment aux États-Unis. Alors c'est suite à une fouille inopinée au poste frontière de Peace Arch en Colombie-Britannique que les douaniers américains ont trouvé le CBD, qui est pourtant légal aux États-Unis. On l'a retenu plusieurs heures, on a pris ses empreintes et son ADN, en plus d'une amende de 500 US. Actuellement, il y a une basketteuse américaine en prison en Russie. Et les Américains qui emprisonnent leurs citoyens, pour la même raison, ne se posent pas beaucoup de questions sur leur propre comportement, on dirait. Je ne dis pas que la basketteuse américaine mérite d'être en prison en Russie. Je dis que les Américains emprisonnent à tous les jours leurs citoyens pour les mêmes raisons. Et là, ils viennent de condamner un Canadien. C'est une sorte de mise à mort professionnelle. Pas drôle. L'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC, s'est permis de rappeler encore une fois que transporter du cannabis à la frontière sous quelque forme que ce soit, y compris toute huile comprenant du THC ou du CBD, sans un permis ou une exemption autorisée par Santé Canada, demeure une infraction criminelle grave, passible d'arrestation et de poursuite malgré la légalisation du cannabis au Canada. Fin de la citation. Quelque chose. OK. On va aller flâner dans plat de bande de Santé Canada. Parce que c'est formellement inscrit dans la loi, on s'active actuellement à revoir les bons et les mauvais aspects de la légalisation pour améliorer le cadre légal actuel. C'est l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Caroline Bennett, ministre de la Santé mentale et des dépendances, et ministres associés de la Santé, qui ont annoncé la semaine passée les noms des membres du groupe d'experts chargés de l'examen législatif de la loi sur le cannabis. Le communiqué bilingue de Santé-Canada affirme que le groupe d'experts fournira des conseils éclairés indépendants aux deux ministres quant aux progrès accompli dans l'atteinte des objectifs de la loi et aidera à cerner les domaines potentiels d'amélioration du fonctionnement de la loi. Pour faire leur choix, les ministres ont tenu compte d'un certain nombre de facteurs, tels que la géographie, le savoir-faire et la représentation démographique. Ils ont soigneusement sélectionné des personnes qui représentent la diversité du Canada et qui collectivement possèdent une vaste expérience du secteur public, une expertise en santé publique et en justice et une expérience de la collaboration avec les communautés et les organisations autochtones. Le groupe d'experts, présidé par Morris Rosenberg, mènera une étude crédible et inclusive avec les membres suivants. M. Ayun Rinde, Mme Conroyd, Mme Lévesque et M. Selby. Les ministres ont chargé le groupe d'experts de s'entretenir avec le public, le gouvernement, les autochtones, les jeunes, les communautés marginalisées et racisées, les représentants de l'industrie du cannabis et les personnes qui ont recours au cannabis à des fins médicales. Pourquoi? Afin de recueillir leur point de vue sur la mise en œuvre et l'application de la loi sur le cannabis. Le groupe d'experts indépendants doit également rencontrer et consulter des experts dans des domaines pertinents, comme la santé publique, la consommation des substances, la justice pénale, l'application de la loi, la gouvernance et droits des autochtones et les soins de la santé. Fin du communiqué. C'est un beau communiqué, je trouve. <laughs> Alors rapidement, les experts, non pas les experts du groupe euh, désigné par Santé Canada, mais les autres experts qui vendent leur expertise à travers le Canada. Donc, les experts canadiens ont exprimé leur déception sur la composition du groupe. Les critiques allaient de ⁇ Il y a juste des spécialistes des méfaits ⁇ à ⁇ Pourquoi on n'a pas été capable de trouver des membres de l'industrie pour faire partie du groupe ?⁇ Il s'agit d'une grande déception d'un océan à l'autre. Mais, mais, mais. Il se peut que tous ces experts fassent erreur dans leur appréciation de la composition du groupe d'experts. Et là, ce n'est pas une opinion que, qui est née seule en moi. Je suis un gars qui s'appelle David Brown. Il a passé une partie de sa vie professionnelle à Santé Canada, dont il connaît très bien tous les rouages. Brown revient sur le fait que l'industrie se plaint du fait qu'aucun membre de l'industrie ne fait partie du groupe d'experts. Mais Brown rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'un examen réglementaire, mais bien d'un examen législatif. Un examen législatif s'intéresse aux répercussions sociales des grands objectifs de la loi. Le bout qui intéresse l'industrie, c'est ISDE, ou Innovation, Science et Développement économique Canada, qui est responsable de l'organiser. Et c'est même écrit en toutes lettres dans le communiqué dont je vous ai parlé. ISDE est actuellement à créer un forum sur le cannabis pour faciliter le dialogue entre l'industrie et le gouvernement et permettre un examen des questions relatives à la compétitivité et à la stabilité à long terme du secteur. Je vais reprendre texto la conclusion de Brown dans son biais sur LinkedIn, qui semble profiter de l'occasion réellement pour régler ses comptes avec certains acteurs de l'industrie. Alors Brown dit... S'attendre à ce qu'un examen qui est spécifiquement destiné à examiner les impacts sociétaux globaux vise à donner du pouvoir à l'industrie montre un manque fondamental de compréhension des mécanismes clés en jeu ici. Fin de la citation. Et bing et bang. <laughs> J'ai vu dans un on, on quitte cette zone de choc. J'ai vu passer un autre truc très intéressant. Je vous le présente juste parce que je sais que vous êtes curieux. Et je vais vous lire texto un communiqué. Montréal, Québec, Canada, le 28 novembre 2022. Afin de souligner les avantages de l'éclairage intelligent pour les entreprises horticoles québécoises, Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, a accordé à Solom Technologies un financement d'un montant de 350 000 pour un projet inédit de vitrine technologie portant sur les fraises qu'elle réalise en partenariat avec Savoura. Fin de la citation du communiqué. Moi, je dis qu'on en veut des projets comme ça dans le cannabis. Et si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez déjà que ce genre de programme existe en Ontario pour le cannabis. Je vous en ai parlé. Plusieurs millions de dollars là-bas. Ils font bien les choses en Ontario. Et en très gros aussi. On va y revenir plus tard dans en 2023. Parlant de perception et de compréhension, j'ai vu passer un article intéressant dont le titre m'a fait rigoler comme ça arrive rarement. Pourquoi avons-nous des pensées profondes lorsque nous sommes sous l'influence du cannabis? Eh oui, les curieuses ont trouvé un lien dans les notes de l'épisode pour ce lien et pour toutes les autres choses dont je vous ai parlé, évidemment. L'auteur du texte, un gars qui s'appelle Joseph Billions, sans doute un nom de plume, eh bien, il avance que sous l'influence du cannabis, nos schémas cognitifs changent. Ce n'est pas une révélation en soi. Hein? Encore une fois, si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez que je parle habituellement de changement de perspective. Alors, Billions définit son concept de high thoughts, de haute pensée, et là, j'y vais être plus ou moins texto de l'anglais. Les high thoughts, c'est-à-dire la façon dont nous pensons et nous ressentons lorsque nous sommes sous l'emprise du cannabis, peuvent nous prendre au dépourvu par leurs brusques changements. Les pensées hautes, « high thoughts », peuvent être hilarantes ou ridicules, innovantes ou apparemment créatives ou simplement sombres et dangereuses. Ces divers schémas cognitifs peuvent se manifester de manière imprévisible selon les individus. Cependant, ils sont principalement dus à la façon dont le THC et les autres composants du cannabis affectent le cerveau. Fin de la citation. L'auteur propose que cette mesure du flux sanguin cérébral indique plus précisément une diminution des facultés causées par le cannabis que la mesure des cannabinoïdes dans le sang. Ça a beaucoup de bon sens. Mais comment mesurer ça sur la route en hiver au Québec Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la première zone visée par cet afflux sanguin est la partie frontale du cerveau. Cette zone, nous dit-on, intervient pour gérer des fonctions cérébrales cognitives de la pensée critique, dont le traitement des données provenant de nos sens. Donc nous parlons d'une plus grande circulation, une sorte de doping du sang, pour reprendre le vocabulaire sportif à la mode. D'ailleurs, je comprends mieux le mini roche que l'on ressent à la tête maintenant. Mais il n'y a, a pas que le lobe frontal qui est singularisé. Est-ce que vous connaissez votre insula L'insula est, selon Wikipédia, c'est le cortex insulaire, terme latin qui signifie île, qui est une partie du cortex cérébral, donc tout ce qui se passe dans notre tête, et constitue donc l'un des lobes du cerveau. Son rôle est encore mal connu, mais il est généralement associé aux fonctions limbiques et interviendrait notamment dans le dégoût, la dépendance, ou encore rien de moins que la conscience. Alors l'insula est la partie du cerveau qui est responsable, ça c'est très important, de la réponse cardiovasculaire causée par le stress. Alors je l'ai cherché, mon insula, <laughs> au moins 2 trois minutes avant de la trouver dans une illustration. Le problème venait du fait que l'insula n'est pas visible de l'extérieur quand on regarde le cerveau, car elle est cachée par les autres lobes, d'où son nom de dille. Puis il y a une troisième région qui est affectée. Donc je reprends, d'abord le lobe frontal, ensuite l'insula ou le cortex insulaire. Et finalement, le tro la troisième région, le cortex singulaire. Une augmentation du flux sanguin et hop, l'effet du THC se révèle. Comme par hasard, le cortex singulaire participe à la modulation des comportements et réponses aux informations relatives et eh oui, aux émotions. Par contre, comme toujours avec le cannabis, dont les effets biphasiques sont connus, il semble aussi, et ça, ça va à l'inverse de ce que je viens de vous dire, il semblerait qu'une surconsommation provoque rien de moins que l'effet inverse, c'est-à-dire une diminution du flux sanguin dans la tête, dans certaines régions de la tête, et une réduction dans certaines régions de l'activité neuronale. Alors vous le savez, hein, je ne suis pas un docteur ni en philosophie, ni en sociologie, ni en médecine. J'ai sûrement oublié d'autres régions et d'autres phénomènes qui sont affectés par une augmentation de la circulation sanguine suite à l'ingestion de cannabis. Mais déjà le premier buzz que j'ai eu depuis que j'ai fait cette lecture, eh bien cela m'a éclairé d'une nouvelle perspective. L'image mentale que j'ai de mon insula est très très forte maintenant. Et c'est la première fois que je visualisais dans ma tête mon insula avec la petite bouffée de chaleur qui annonce le buzz. Pour les curieuses, il y a un lien pour une animation 3D, c'est un GIF, qui vous permettra de visualiser votre insula. Pas la mienne, la vôtre. Ok, assez pour les hautes pensées. Mais encore plus haut, il y a donc les étoiles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux géants, deux étoiles qui ne disent plus rien à personne probablement. J'ai nommé Louis Armstrong et Bing Crosby. Ça, c'est une belle découverte. Louis Armstrong est né en 1901, ça je le savais. C'est la même année que Fred Astaire. C'est un joueur de trompette, un chanteur extraordinaire, connu entre autres pour une bonne, une, toune, une chanson qui s'appelle c'est si bon. Il était aussi un comédien et un activiste. C'est ça que je viens de découvrir. Je savais que Louis Armstrong consommait du pot, mais j'ai appris qu'il considérait le pot comme un médicament, comme un cannabis médical, quoi. Il préférait l'herbe à l'alcool. Il le disait. Il disait aussi que le pot était essentiel à sa santé et à son sommeil. Il a même été arrêté pour avoir fumé en public en novembre 1930. À cause de ça, le FBI va faire un dossier sur lui. La même chose pourrait arriver aujourd'hui, hein. on vient de l'établir, c'est clair. Mais Armstrong était aussi un ami avec Bing Crosby. Bing Crosby, vous connaissez sa voix, peut-être pas son visage, mais c'est lui qui chante le White Christmas le plus célèbre au monde. C'est aussi le simple, hein, le single le plus vendu au monde avec 50 millions de copies à date. Alors, Bing Crosby aimait lui aussi le cannabis. Et le coquin, dans les années 30, il avait obtenu un permis pour en cultiver, une sorte de dérogation. Alors, il paraît qu'Armstrong a demandé le même privilège. Immédiatement. Je ne sais pas s'il l'a obtenu. Armstrong, en 1954, écrit une lettre à Eisenhower, le président américain du moment. Pour lui demander rien de moins que de légaliser le cannabis en 1954. C'est si bon. Il chantait avec une grosse voix comme ça, Monsieur Armstrong. C'est la période de l'année qu'il veut aussi. Vous pourriez très bien entendre Armstrong dans le film La vie est belle ou It's a Wonderful Life, parce que c'est un film qui passe en boucle pendant les fêtes. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus important. C'est un film génial de Frank Capra qui s'écoute euh, avec euh, un petit joint. Facile. L'histoire ou le high concept, comme on dit à Hollywood, est génial. Vous allez pleurer, c'est sûr, et rire. Et quelle heure? Hein? Ah, c'est là. Ah, juste une seconde. Et hey, MJ, merci beaucoup. Hein? Oui, c'est sûr, je vais repasser avant Noël. OK. Bye. OK, je me ramasse. Au début de l'épisode, j'ai parlé du groupe d'experts qui participait à la révision de la loi. Dans un autre contexte, ça va nous permettre de comparer le OCS, le Ontario Cannabis Store, à la SQDC. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. L'équivalent de la SQDC en Ontario, l'OCS, est le grand pocheur de la province ontarienne. Un pocheur qui compétitionne aussi avec les 1600 boutiques qui sont obligées de s'approvisionner chez elles. Ça, c'est pour la petite histoire. Pour la grande histoire, l'OCS prend position dans le débat à venir sur la révision de la loi sur le cannabis. Elle fait même huit propositions précises. La diffusion la semaine passée du document Opportunities to Improve the Canadian Federal Cannabis Framework Perspectives from the Ontario Cannabis Store, eh bien ce document constitue une prise de position qui va plaire à l'industrie, beaucoup. L'OCS souhaite que Santé Canada reconsidère à la hausse les limites de THC, entre autres dans les mangeables, produits comestibles. Le document fait 30 pages, c'est pas rien. Hein? Voici les huit recommandations au pas de course, et je vous demande de repérer. On fait une expérience mentale, vous et moi. Je vous demande de repérer la demande qui vous semble la plus importante. On en discutera deux secondes après. Alors, dans l'ordre, OCS demande 1. d'ajuster les limites de THC pour les mangeables. 2. Élargir les promotions pour le cannabis comestible et les produits topiques à base de cannabis. 3. Clarifier l'admissibilité des évaluations de produits en ligne pour les détaillants légaux. Ça, c'est pour les demandes d'autorisation de, des bangs qui ont des formes spéciales, les vapoteuses, ce genre de trucs. 4. Ajuster les exigences en matière d'étiquetage des produits. 5. Ajuster les exigences en matière d'étiquetage pour les produits à dominante de CBD. 6. Ajuster la déclaration de concentration pour les mangeables. 7. Établir des normes nationales pour les tests effectués par des tiers. 8. Examiner les possibilités de réduire l'impact environnemental de l'emballage du cannabis. OK, c'est terminé. Il y en avait juste 8. De 1 à 8, est-ce que vous avez une, une préférence pour ce qui vous semble être le plus important ou le plus perturbant? Rapidement, je vous dis que la numéro 7, c'est-à-dire établir des normes nationales pour les tests effectués par des tiers, ça me semble la norme la plus importante, parce qu'il y a une course au THC que tout le monde fait n'importe quoi, n'importe comment. Et la numéro 8, c'est-à-dire ex examiner les possibilités de réduire l'impact environnemental de l'emballage du cannabis, cela me semble une belle possibilité, mais c'est une possibilité trop faible par rapport aux dégâts causés par, à l'environnement par l'industrie. Alors, David Lobo, qui est le président-directeur général de l'OCS, a confirmé que son organisation s'engageait à coopérer avec Santé-Canada pour assurer la santé et la sécurité du public tout en luttant contre les activités illégales du marché du cannabis et en favorisant le développement de l'industrie du cannabis récréatif. Est-ce que vous avez entendu la SQDC prendre position? Je pense que M. Farsi, son PDG, n'a pas cette liberté d'expression. Même si son salaire est supérieur à celui du premier ministre Legault. On a les institutions et le gouvernement que l'on mérite. Il n'y a aucun doute que les Québécoises et les Québécois aiment la frilosité du gouvernement actuel envers le cannabis. Sinon, la CAQ ne serait pas au pouvoir. Noël et ses beuveries habituelles n'y changeront rien. Par contre, il serait intéressant de savoir si l'opération Nez Rouge aide beaucoup de citoyens qui ont, avant tout, les yeux rouges. Et voilà, c'était le 129e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. Luc prévoit à hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.